grecque d'Homère n'avait pas de mot pour désigner l'unité du corps, aussi paradoxal que ce soit. Devant Troie, sous les murs défendus par Hector et ses compagnons, il n'y avait pas de corps. Il y avait des bras levés, il y avait des poitrines courageuses, il y avait des jambes agiles, il y avait des casques étincelants au-dessus des têtes, il n'y avait pas de corps. Le mot grec qui veut dire corps n'apparaît chez Homère que pour désigner le cadavre. C'est ce cadavre, par conséquent, c'est le cadavre et c'est le miroir qui nous enseigne, enfin qui ont enseigné aux Grecs et qui enseignent maintenant aux enfants que nous avons un corps, que ce corps a une forme, que cette forme a un contour, que dans ce contour il y a une épaisseur, un poids. Bref, que le corps occupe un lieu. C'est le miroir et c'est le cadavre qui assigne un espace à l'expérience profondément et originairement utopique du corps. C'est le miroir et c'est le cadavre qui font taire et apaise et ferme sur une clôture qui est maintenant pour nous scellée, cette grande rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre